Nabila Benatia a voulu faire une apparition audacieuse sur le tapis bleu du gala de l'Enfar qui se déroule au Cap Eden Rock à Antibes en parallèle du Festival de Cannes. La reine des réseaux sociaux a choisi un décolleté épousant ses formes de façon originale. Nabila Benatia est dans son élément au Festival de Cannes. Depuis son premier tapis rouge foulé en 2014, la star française des réseaux sociaux affiche des looks toujours plus sensuels, mettant en valeur sa poitrine opulente. Cette 76e édition ne déroge pas à la règle pour la maman de Milan, 3 ans et demi, et Leiane, bientôt 1 an. Après avoir fait sensation pour la montée des marches de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese puis celle de Club Zero de Jessica Hausner, elle a fait son retour dans le cadre du gala caritatif incontournable de la quinzaine, le gala de l'Enfar. Dans une robe longue blanche et moulante, dont le décolleté maxi et original valorisait sa poitrine opulente, Nabila Benatia a joué avec grand plaisir son rôle de diva de Cannes. À ses côtés, son époux depuis son mariage à Londres en 2019, Thomas Vergara. Le complice de la reine d'Internet a assorti son smoking à celui de sa bien-aimée pour l'occasion. Une nouvelle édition cannoise où le couple apparaît aux anges, mais les péripéties n'ont pas manqué. Sur le yacht privé de Leonardo DiCaprio, elle s'est cognée la tête et a perdu son téléphone, tandis que quelques jours plus tôt, elle souffrait de grippe, clamant avoir perdu 4 kilos à cause du virus. Mais finalement, tout va bien. Le gala de l'Enfar, comme chaque année, les stars se sont bousculées pour le prestigieux gala de l'Enfar. Actrices, personnalités de la mode ou chanteuses ont rivalisé d'élégance lors du photocall de l'événement qui se déroule au sein de l'hôtel du Cap Eden Rock, ce jeudi 25 mai. Derrière les paillettes, un combat de taille, la lutte contre le sida. Durant cette soirée animée cette année par Queen Latifah, une vente aux enchères s'est déroulée pour rassembler des fonds et soutenir la lutte contre ce fléau.